Parfois, tu cherches ton héritier, alors que c'est lui-là. Le voilà à côté de toi. Tu regardes ailleurs, tu regardes celui qui a les diplômes, alors qu'il peut te vendre et déshonorer même ton cadavre. Oui. Voilà un enfant, tu es sûr que celui-ci, non, ne peut pas faire du mal à son père. C'est un homme d'honneur, un homme de confiance à qui tu peux confier l'héritage. Il ne peut pas te trahir. Il y a des cadavres aujourd'hui que s'ils pouvaient se réveiller. Ah oui, mais comme il n'y a pas la force de se réveiller, ils sont obligés de réagir autrement, mystiquement, spirituellement. Un enfant comme ça, là, regardez. Il est attentionné. Il a joué son jeu. C'est un homme de paix, en fait. Il ne veut pas la guerre. Oui. Son père rentre, il se rend compte que, son père, sur son t-shirt, il y a le rouge à lèvres. Directement, il a la présence d'esprit. Voilà la matière, il regarde. Directement, il joue le jeu. Il joue le jeu. Voilà l'héritier. Nous, on est là, on fait confiance aux enfants parce qu'ils ont beaucoup de diplômes. Ils ont ceci, cela, ils sont intelligents. Voilà un enfant, il est petit, mais il est sage. Il est sage. Celui-ci ne peut jamais te trahir. Il ne peut jamais accepter l'infidélité de sa mère. Jamais. C'est un réunificateur. Oui, c'est un homme de paix. Le genre d'enfant, si. Le voilà. Le voilà, voilà le genre d'enfant qu'on a besoin. Il protège son père. Parce qu'il connaît que s'il y a la guerre à la maison, ça peut apporter la séparation. Hein? Et puis, ça peut apporter même le sang. La bagarre peut commencer. Et il va se rendre compte que tout ça, c'est à cause de lui. Il y a des choses qui peuvent vouloir arriver. Mais tu empêches que ça arrive. Et cet enfant a joué le rôle, même si c'est un scénario. C'est une leçon de vie, en fait. Ah oui, c'est une leçon de vie. Donc, chaque enfant doit être éveillé. Ah oui, c'est un protecteur. Ah, le genre d'enfant obéissant à son père et à ses parents. Il évite que le pire arrive. Dis donc, un enfant comme ça ne peut jamais trahir son père. Ah oui, même dans la tombe, tu seras fier de lui. Parce qu'il va accomplir ton devoir. Il va même continuer le combat que tu lui as laissé. Oui, un enfant comme ça va accomplir le combat. Il va continuer le combat. Et accomplir ta volonté, même après toi. Vraiment, bravo mon petit. Chapeau. Leçon de vie.